Salut à tous les supporters de l'OM. L'OM a battu Reims 3-1 grâce à un doublé de Payet et un but de Mini contre un but de Mboukou pour Reims à l'issue de la rencontre sans Paris. C'est à déclarer que c'était un grand match réalisé par l'OM face à Reims. Il a déclaré on retrouve un peu le Payet qu'on a toujours connu sous ce maillot. Quant à Payet, il a déclaré, on a confiance à Sampaoli. Si on peut jouer l'Europe l'an prochain, c'est bon pour nous. A déclaré Alvaro Gonzalez. Quant à Boubacar Camara, il est sorti sur blessure. Quant à l'entraîneur de Reims, David Guignan, il a déclaré les joueurs sont sortis du match, rappelons qu'il va être remplacé par Oscar Garcia à l'issue de la saison. Quant à Pablo, Pablo Sorrentino, il devrait signer son premier contrat pro avec l'OM, c'est un milieu offensif formé à l'OM. Quant à Hugo Dupont, il pourrait partir. On apprend aussi que Pablo Longoria pourrait succéder à Milik et voudra recruter l'attaquant de Sassuolo, Jescamo Raspadori, qui est évalué entre 15 et 20 millions d'euros. Mais il intéresse aussi l'Inter de Milan et la Juventus. Quant à Mathieu Louis-Jean, il est le nouveau responsable de la cellule de recrutement de l'OM. Il avait travaillé comme scout pour Manchester United. Il a travaillé pour la cellule de recrutement de Manchester United. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.